6 années durant, Siddhartha et ses disciples vécurent dans le silence, sans jamais quitter la forêt. Pour toute boisson, ils avaient la pluie. Pour toute nourriture, les graduries sauvages, une écuelle de boue, ou les fientes des oiseaux de passage. Pour maîtriser la souffrance, ils fortifiaient leur esprit pour oublier le corps. Puis, un jour, Siddhartha entendit un vieux maître de musique qui passait en bateau sur le fleuve dire à son élève: si tu contrôles la corde, elle casse. Si tu ne le tends pas assez, elle ne sonne pas. Siddhartha comprit soudain que ces paroles toutes simples recelaient une grande vérité et que pendant toutes ces années, il s'était engagé dans une mauvaise voie. Tu as abandonné la quête. Nous ne pouvons plus te suivre. Rien apprendre de toi. Apprendre, c'est changer. La voie de l'illumination est celle du milieu. Elle est la ligne entre les extrêmes opposés. Si j'atteins l'illumination, que cette écuelle remonte le courant. Siddhartha avait découverte celle qu'il allait enseigner au monde.